Les disciples ont passé trois années au pied de leur maître Jésus-Christ. Pendant trois ans, ils l'ont entendu enseigner, les reprendre, les consoler, et ils étaient donc habitués à entendre sa voix. Ils la reconnaissaient parmi toutes. Ils n'ont pas toujours mis en pratique ce que Jésus disait. Ils n'ont pas toujours écouté, notamment lorsque Jésus leur a dit qu'ils devaient mourir sur la croix et qu'il était venu pour cela et qu'il allait être rejeté par les principaux sacrificateurs de l'époque. Mais cependant, il connaissait en quelque sorte la voie de Dieu au travers de celle de Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'après l'ascension, les disciples ont continué à chercher à écouter la voix de Dieu. L'ascension, c'est ce moment où Jésus a été élevé dans les airs vers son Père et où, quelque temps plus tard, le Saint-Esprit a été envoyé. Ça a été le grand événement de la Pentecôte. Oui, les disciples ont continué à chercher à écouter Dieu et à se laisser conduire par lui. J'aimerais lire un texte de l'Évangile de Jean. Au chapitre 10, ce sont les versets 2 à 6. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et la brebis suit son maître parce qu'elle connaît sa voix. Les brebis ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est vraiment intéressant de savoir que des brebis sont habituées à la voix de leur maître, le berger, et savent reconnaître elles-mêmes, par elles-mêmes, la voix de ce berger. Les brebis d'un troupeau ont cette capacité de savoir écouter la voix du berger et de suivre le berger dans ce qu'il leur fera faire. et le texte euh, qui nous rapporte les, les paroles et l'enseignement de jésus à ce sujet nous dit que les brebis suivent le berger parce qu'elles connaissent sa voix. elles la connaissent. à combien plus forte raison nous les chrétiens devons nous absolument et dès le début de notre conversion Apprendre à connaître la voix de Dieu. Beaucoup diront, mais comment faire Je connais Dieu depuis 20 ans et je n'ai toujours pas su discerner sa voix. C'est vrai que la plupart d'entre nous savent reconnaître que c'est Dieu qui leur parle en lisant la Bible. Ils se disent, ah là, ce passage m'a percuté, il m'a parlé. Et beaucoup de chrétiens euh, nous disent aussi qu que Dieu leur a parlé lorsqu'un prédicateur très inspiré a pris la parole dans leur Église et qu'il a prêché sur un thème qui les a remis en question et qui correspondait vraiment à leurs besoins et à leurs attentes. Mais cela ne suffit pas. Le chrétien doit apprendre à connaître la voix de Dieu. Alors connaître dans euh, les écrits bibliques euh, eh bien, c'est ceci, avoir une connaissance fondée sur une expérience personnelle et dans la durée. Avoir une connaissance obtenue par la proximité de la chose connue par notre compréhension. Voir avec les yeux de l'esprit, donc avec une pure et claire perception mentale. Cela implique une perspicacité naturelle, une connaissance obtenue au travers des cinq sens. Connaître la voix de Dieu, ce n'est pas seulement savoir la discerner épisodiquement, mais c'est aussi avoir l'habitude de l'entendre, de l'écouter avec les sens. Nous devons donc, nous les disciples de Jésus, Apprendre à connaître cette voix de Dieu, la rendre familière à notre oreille, et alors nous ferons la différence entre cette voix et celle des étrangers. Cela est primordial. Pour connaître la voix de Dieu, nous avons, et c'est sûr, un apprentissage à faire. Ça ne se fait pas euh, comme ça. Et il est important que nous nous mettions donc à l'école des anciens, de ceux qui sont habitués à écouter et à reconnaître la voix de leur Dieu. N'improvisons pas dans ce domaine, car nous ferions, nous pourrions faire des erreurs magistrales, écouter des petites voix, et puis suivre des petites voix qui ne sont pas forcément euh, la voix de Dieu principalement. Il est donc nécessaire que nous ayons de l'humilité si nous voulons apprendre à connaître la voix de Dieu, et que nous nous mettions à l'école des anciens, un petit peu comme le jeune Samuel dans l'Ancien Testament, qui s'est mis à l'école d'Élie le sacrificateur. Samuel écoutait une voix, il, euh, il se réveillait, il écoutait une voix, il entendait et il allait vers Élie le sacrificateur qui dormait dans la pièce à côté. et lui disait Mais qu'est-ce que c'est ce que, ce que j'ai entendu Élie lui disait Oui, c'est Dieu qui t'a parlé, dis-moi tout, dis-moi ce qu'il t'a dit. Et Élie écoutait la parole que Dieu voulait lui donner. Malheureusement pour lui, c'était trop tard car son péché euh, était déjà. Consommer son péché, c'était qu'il n'avait pas su reprendre ses fils qui se vautraient dans l'impureté euh, dans le cadre du service euh, du temple, du tabernacle. Alors, on voit que Samuel, lui, ne savait pas écouter euh, la voix de Dieu, il ne savait pas la reconnaître, mais c'est un ancien comme Élie qui lui a appris à le faire. Autrement dit, eh bien, Mettons-nous à l'école, mettons-nous sur les bancs de l'école, et si nous recevons quelque chose de la part de Dieu, si nous croyons avoir entendu sa voix, eh bien faisons discerner le contenu de ce que nous avons entendu pour savoir si cela vient de Dieu. Et les anciens qui nous conforteront ensuite ou non dans notre pensée vont pouvoir nous former à écouter réellement la voix de Dieu et à savoir. La reconnaître. Alors évidemment, euh, si nous voulons faire un parcours sans faute, bien, nous n'arriverons nous jamais à faire de progrès. Nous ferons des erreurs. Nous écouterons parfois des voix qui ne sont pas celles de Dieu. Alors il faut savoir rester humble et puis reconnaître quand on a fait une erreur et puis ne pas en faire tout un drame, mais tirer une leçon de l'erreur que nous venons. De commettre. Nous apprendrons donc dans le temps, car c'est dans le temps que cela se passera, à discerner quelle est la voix de Dieu et quelles sont les autres voies? je vais en nommer principalement, principalement pardon, deux. il y a la voie de l'homme charnel, ma propre voie, celle de quelqu'un qui est bien intentionné et qui me dit, voilà, euh, dieu m'a dit ceci pour toi. et puis, et puis, et puis il s'avère qu'il se trompe. il y a la voie de la chair, donc, et puis il y a la voix de satan. il faut le reconnaître. satan est un adversaire de dieu. Qui veut nous conduire dans des voies de destruction et surtout dans des voies de séduction spirituelle. Alors, eh bien, acceptons de faire cet apprentissage, acceptons d'apprendre à discerner la voie de Dieu. Jésus énonce deux principes euh, qui sont comme un filtre. Il dira dans l'évangile de Jean, au chapitre 18 et au verset 37, Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et puis, au chapitre 8 et au verset 47, Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Selon cet enseignement de Jésus-Christ, il apparaît donc que seuls ceux qui lui appartiennent et qui passent du temps avec lui, qui se mettent à son école, qui confessent le nom de Jésus-Christ régulièrement dans leur vie et qui se rendent familiers aux choses de Dieu, eh bien, ce sont seulement ceux-là qui auront la capacité d'écouter avec finesse la voix de Dieu. Et j'aimerais, dans quelques instants, vous raconter une petite histoire, l'histoire d'une chrétienne qui était très très anxieuse. Elle était très anxieuse parce qu'elle avait un problème et puis elle se disait mais comment je vais faire pour résoudre le problème Comment je vais faire pour prendre une décision puisque je ne connais pas la pensée de Dieu Ben oui, et il est écrit dans le livre d'Ésaïe que nos pensées sont complètement différentes et éloignées des pensées de Dieu. Il y a une grande distance entre elles. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant nos pensées diffèrent de celles de Dieu. Alors cette femme avait très peur. Et nous savons ce que c'est que euh, la peur, quand elle nous euh, tient, euh, quand elle nous broie les entrailles et le cœur. Cette chrétienne est partie pour une journée de, de repos, de vacances dans la montagne, et elle s'est assise sur un versant. Et de là, elle observait euh, ce qui se passait dans la vallée, mais surtout sur le versant en face d'elle, qui n'était pas très éloigné. Et là, elle a vu quelque chose se passer devant ses yeux. Elle a vu deux bergers arriver au flanc de la montagne de l'autre côté. L'un venait du côté gauche et l'autre berger venait du côté droit. Chacun était suivi par son troupeau de moutons. La chrétienne était très intriguée, elle a regardé la scène et s'est dit... Mais mon Dieu, ils vont se croiser sur la même route, ça va faire un sacré mélange ça. parce que les brebis, des, des troupeaux, des deux troupeaux vont se mélanger. Et en effet, les deux bergers qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps se sont croisés et apparemment, sans aucune inquiétude, les brebis, se sont mises les unes avec les autres je ne dirais pas qu'elles ont discuté ensemble non mais elles ont mangé euh, euh, l'herbe ensemble la chrétienne se disait c'est fichu c'est fichu là quand les deux bergers repartiront euh, ils mettront des heures pour euh, compter les brebis euh, respectives de leurs troupeaux et pour les identifier eh bien non eh bien non les bergers, après avoir fait cosette et, et s'être donné des nouvelles, se sont mis à continuer à circuler et ont sifflé simplement. Ils ont sifflé les brebis. Les brebis entendaient ce sifflet, puis la voix de chaque berger qui s'est mis à dire ⁇ Allez, les brebis, vous venez, c'est par là !⁇ Eh bien, la chrétienne, donc a assisté à la scène et a vu que toutes les brebis de chaque troupeau respectif suivaient le bon berger. Quelle délivrance Elle s'est dit, mais oui, moi qui connais la voix de Dieu, je saurai reconnaître quand Dieu va me parler au sujet de ce problème. Et oui, c'est une véritable délivrance que cette femme a vécue toute seule dans la montagne. Le prophète Esaïe nous donne un témoignage dans ses écrits vis-à-vis euh, -vis de, des expériences qu'il fait pour écouter la voix de Dieu. N'oublions pas que euh, donc Esaïe est un prophète. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est celui qui sait écouter Dieu et retransmettre les paroles de Dieu au peuple. Alors, il dit ceci, Esaïe, au chapitre 50 et au verset 4 et 5. Le Seigneur éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas résisté, je ne me suis pas retiré en arrière. Alors ce témoignage d'Esaïe est important parce qu'il nous montre que Dieu vient à notre secours lorsque nous ne pouvons pas ou nous ne savons pas comment l'écouter et lorsque nous ne savons pas à quel moment l'écouter également. Nous avons donc cette certitude, grâce à Ésaïe, que Dieu va éveiller notre oreille. Par ses moyens et ses méthodes, il fera en sorte que nous percevions ce qu'il a à nous dire. C'est vrai, il y a des périodes dans notre vie où nous n'avons plus envie de prier, nous n'avons pas envie de lire, de lire la parole de Dieu et d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Alors, ayons confiance que le Saint-Esprit nous éveillera à cette écoute. Ce sera un travail de Dieu lui-même dans notre vie, ce sera une grâce que nous recevrons d'en haut. Et nous entrerons alors à nouveau dans un temps privilégié d'écoute, durant lequel Dieu nous donnera des directions, des exhortations, des encouragements. Oui, c'est juste ce que Jésus euh, dira, et Jean euh, l'Évangéliste va le relater au chapitre 16 de son Évangile et au verset 13, le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. Chers amis, le Saint-Esprit est une personne, pas seulement une force, c'est une personne qui fait partie de la Trinité. Et l'Esprit de Dieu saura nous parler au bon moment et il nous conduira aussi à savoir l'écouter. Je ne sais pas comment il fera, mais je sais qu'il le fera. Quelles sont les conséquences d'une bonne écoute de Dieu et de ses paroles dans nos vies Eh bien, les conséquences sont nombreuses, elles sont positives, bien sûr, elles sont relatées dans la parole de Dieu, que je vous invite réellement à lire et à relire. Ne vous privez pas de cette lecture des Écritures saintes qui apporte la vie et la lumière à l'intérieur de l'être. Alors la première conséquence d'une bonne écoute de Dieu, c'est le bonheur. Vous vous en doutiez certainement. Deutéronome 12, verset 28 nous dit ceci, garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne afin que tu sois heureux, toi et tes enfants. Au travers de ces paroles que Dieu donne à Moïse, Dieu promet le bonheur. Si nous savons écouter et garder ses commandements et les mettre en pratique, nos enfants hériteront alors de la bénédiction de Dieu. Quel est le Père qui ne recherche pas le bonheur de sa descendance La deuxième conséquence, tout aussi positive, c'est le bien-être intérieur. Esaïe va en parler au chapitre 48 de son livre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Esaïe prophétise, celui qui est attentif écoute et obéit. Reçoit dans son cœur le bien-être comme un fleuve. La caractéristique du fleuve, chers amis, c'est que son eau ne s'arrête pas de couler. Et puis, Esaïe l'affirme Notre bonheur deviendra comme les flots de la mer. Et les flots de la mer, nous savons qu'ils sont variés, innombrables et toujours en mouvement. La Bible nous indique également la longévité de notre vie si nous écoutons les paroles du Seigneur. Écoutez et votre âme vivra. Ésaïe 55, verset 3. Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Ces paroles se trouvent dans le livre des Proverbes au chapitre 4 et au verset 10. À l'heure où la société nous propose un contrat d'assurance-vie à ceux qui craignent de mourir, donc à nous tous, et de laisser leur famille dans la disette, Dieu promet qu'il multipliera les années de vie à quiconque écoute et reçoit ses paroles. des conséquences d'une bonne écoute des paroles de Dieu est bien sûr également la connaissance nous allons enrichir notre connaissance le livre des proverbes au chapitre 1 et au verset 5 nous dit ceci que le sage écoute et il augmentera son savoir un sage qui a l'habitude d'écouter est un sage qui grandit et acquiert encore plus de connaissances. Et puis, l'autre conséquence dont la Bible parle, c'est l'assurance, cette capacité à avoir une fermeté et une assurance. Celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. C'est une parole du livre des Proverbes au chapitre 1 et au verset 33. Celui qui écoute Dieu augmente donc sa connaissance et par là même il acquiert de l'assurance car il sait de quoi il parle. Et il acquiert de la confiance en lui-même. Il se libère de la peur et vit le cœur tranquille. Une autre conséquence sera que si nous-mêmes nous avons appris à écouter, les autres vont venir vers nous. Ils vont capter le fait que nous avons cette capacité d'écoute et ils aimeront nous entendre parler. L'homme qui écoute parlera toujours, proverbe 21, verset 28. Parmi les deux autres conséquences, euh, je veux dire parmi toutes les conséquences d'une bonne écoute de Dieu, il y a deux autres conséquences. Dieu peut nous avertir au bon moment, lorsqu'il y a un danger. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Psaume 81, verset 9. Un frère qui se tient souvent en situation d'écoute pourra plus facilement être averti par Dieu d'un danger, car sa réceptivité est optimale. Dieu le voit et s'adresse alors à lui en priorité. Et puis enfin, disons aussi que si nous savons, Écoutez Dieu, Dieu va renforcer notre identité. Écoutez ma voix, dit Dieu au travers du livre de Jérémie. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. L'identité spirituelle va être ainsi renforcée, et cela apportera beaucoup de bonnes choses dans notre vie intérieure.